Hello tout le monde! Donc comme promis, on se retrouve avec le deuxième tome, le deuxième livre consacré aux illustrations TCG. Alors avec cette fois-ci un nom un petit peu différent, le titre là c'est Pokémon Card Game Art Collection. Et surtout il y a deux autres petites différences. Alors la première que vous voyez sûrement à cause du reflet dégueulasse, c'est que cette fois-ci on a une petite protection plastique. C'est assez original, c'est assez pratique aussi parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu fragile ce genre de livre. Et donc là, on a une petite protection avec, donc vous voyez, la couverture, c'est le titre repris en argenté. Et de l'autre côté, on a les symboles des types. Donc plantes, feu, eau, électrique, ça c'est psy, poison et compagnie, combat. Ça doit être, je sais pas. Ça, après, nous avons l'acier, fée. Donc ça devait être ténèbres, alors dragon et fée. Non, ça c'est pas fée, c'est normal, pardon. Et Pokémon Art Game Art Collection. On voit que je connexionne pas du tout les cartes et que je connais Walou. Mais bon, et donc ça c'est plutôt pratique, ça me fait penser un peu au classeur de Clearfile qui avait des protections plastiques comme ça. Et la deuxième petite différence aussi, c'est la carte qui cette fois-ci n'était pas du tout collée, elle était juste enfin voilà, elle était mise entre les pages et donc elle n'était pas collée. Par contre, elle est toujours scellée, donc je l'ai gardée fermée. Et elle est très très jolie, donc elle reprend l'illustration pour le coup de la couverture. C'est exactement la même. Donc le Dracaufeu qui se fait malmener par le Florizarre. Et voilà, très très jolie petite carte. Et donc, sans plus attendre, eh bien, nous allons faire comme la dernière fois, feuilleter religieusement, en silence, enfin avec la petite musique adéquate, ce magnifique livre.
c'est fini pour cette petite lecture, enfin ce petit feuilletage de livre du Pokémon Card Game Art Collection. Donc j'espère que ça vous a plu, hein, que vous avez apprécié toutes ces petites illustrations. Voilà, peut-être que je ferai pareil pour les artbooks qu'on peut avoir en réservation au Japon lorsqu'on commande les jeux. Je verrai, j'essaierai de vous faire ça aussi. Et du coup, ben, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, et je vous dis à la prochaine. Ciao!